Les musicophores. Le groupe, c'est Victor, de Chanté Team. Victor's voilà. Addiction. Voilà, guitariste dans Madison vs Marbury. Voilà. Côté de... bah, moi, c'est Thomas, à la batterie. À la batterie. Et Timothée, chant et guitare. Voilà, on se construit un peu en ce moment. Voilà, c'est ça, on essaye de... Des nouvelles têtes qui vont apparaître. Voilà, c'est ça. À la base, on était deux, et puis du coup, maintenant, on essaye d'agrandir un peu, voyons ce que ça donne. Et voilà, Victor et moi, on jouait dans des groupes, enfin dans un groupe au lycée, ensemble. Et en fait, on s'est retrouvés en fac de droit. Ouais, et voilà. On s'est retrouvés à la fac. On s'est retrouvés en M1 à la fac, en droit. En droit. Voilà. Et donc, le nom. On voulait trouver un nom qui rappelait qu'on s'était retrouvés en droit, en fait. Et, une sorte de clin d'œil. Un clin d'œil. Donc, c'est tombé sur un arrêt de la Cour suprême des États-Unis. Voilà. qui s'appelle Marbury versus Madison. Et là, voilà. Coup de théâtre. Et on a inversé, voilà. Voilà. On a inversé les mots. Ça s'appelle Madison versus Marbury, voilà. Voilà. C'est sur le contrôle de constitutionnalité. C'est ça. Des juridictions inférieures aux États-Unis, voilà. C'est un groupe très fun, quoi, en fait. C'est un classique. Voilà. C'est un classique. Classique. Et Tom, on jouait aussi ensemble dans un groupe à Reims. Ouais. Voilà. Californian Pink Zebras. Voilà. Et quand on faisait des concerts à Reims, ouais, ensemble, avec, ouais, Madison, ouais, c'était déjà Thomas à la batterie. Qui nous accompagnait, ouais, à l'époque. J'ai eu cet honneur. Bon. Que c'est folk rock, ouais, ouais, c'est folk, ouais, avec un peu de rock, ah, c'est ça. Et influence, ouais, en fait, ouais, c'est folk, mais il y a d'autres, il peut y avoir du rock, voilà, quoi. Ouais, voilà, surtout, ouais. Bah, Vico à la gratte électrique qui, ouais. Ouais. Non, exactement ce que j'allais dire, ouais. Dans les solos de Victor, on sent plus le rock que le folk, ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Après, dans les chansons elles-mêmes, c'est dans plus, ouais. Neil Young, Cocoon, ouais, c'est ça, ouais, Dylan, un truc comme ça, classique. Ouais, classique. Ouais. Ça dépend, le, ouais, texte, c'est soit tout moi le texte et tout moi la mélodie, soit tout team. Soit, voilà, nous deux, voilà. C'est... En fait, soit parfois on arrive avec une compo faite, soit l'un, soit l'autre. Soit on en fait à deux, soit... Voilà, c'est assez classique, ouais, sans doute, quoi, dans la manière de composer. Ouais, ouais. Voilà. Ça varie. Ça varie. Et sur des thèmes variés. Mais du coup, c'est une répartition équitable, je dirais. Assez équitable, ouais, ouais. Sur l'écriture. Enfin bon, il y en a un qui porte le matos, quand même. Ouais, ouais, on dirait pas qui. Non. Ouais. C'est cool. T'as des bras plus gros que moi. Ouais, ouais. La chanson qu'on a jouée tout à l'heure, bah, c'est notre première composition commune, ouais, au niveau de la musique et au niveau des paroles. Donc là, c'était symbolique, quoi. Et voilà, elle n'a pas encore de titre, mais voilà, elle a déjà une âme. Non, mais oh, le poète. T'es sûr que tu veux pas c'est écrire en français, quoi, qui je l'ai pas, ouais, ouais, je l'ai pas préparé, hein, c'est comme ça. Non, mais non, mais voilà, on se dit que... Et puis ça parle d'une, bah, d'une rupture, hein. Non, bah, si. Non, elle parle pas toutes de rupture. Non, non, mais celle-là. Genre, tu... Non, toi, ça parle de plein de choses. Tu t'es fait larguer. Ouais, mais... Ouais, ouais, ouais. Super. Il y a des images, non, mais... Non, non, mais... En fait, il y a énormément de métaphores dans cette... Voilà, c'est ça. Elle peut avoir une dizaine de sens différents. Voilà. Non, mais honnêtement... Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais en gros, c'est sur... plus sur ce que les gens nous imposent, quoi. Que ce soit une copine, une ex, un, ouais, prof, ouais, un patron, des parents, tout ça.
La société. Voilà, dans son ensemble. Ouais. Non, mais c'est vrai, on peut révolutionner en fait, mais... quelque part. En fait, parce que c'est fait vraiment simplement, et puis on se dit, tiens, c'est marrant, ça fait aussi, ouais. Ça donne. Il peut aussi y avoir ce sens-là. Ouais. Et du coup, ensuite, on est un peu. Ouais. Un mais peu je crois qu'au départ, on avait la musique, et on s'était mis chacun dans un coin pour écrire un couplet sur la musique, et on est revenu, on a fait, ouais, si on pense comme ça, ça peut se mettre ensemble. Ouais. Voilà. Donc, ouais, c'est ça, en fait. C'est... C'était marrant, ouais. Bah voilà, on s'est bien marré en tout cas. Ouais. Du coup, pour les projets là. Voilà, donc là on a déjà quelques compos, on pourrait faire un petit EP. Un EP pile quoi. Ouais, c'est ça. 6 chansons. Donc ça serait cool. Et ouais, après là, pour l'instant c'est vrai qu'on fait appel aux amis pour jouer. Mais on aimerait vraiment faire le truc à fond et voilà, voir ce que ça donne. Jouer à Paris, à Reims, ouais. dans plein de villes quoi. C'est ça, les deux villes. C'est les deux villes où on a le plus joué en Paris. Ouais, bah, c'est vrai. C'est vrai. On a même plus joué à Reims qu'à Paris, je pense. Ouais, c'est probable. Ouais, c'est probable. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Donc, ouais, concert, studio, EP. C'est ça. Voilà. Et puis on croise les doigts, quoi. Pour la reprise, c'est parce que je l'avais faite au casting de la Nouvelle Star et comme ça avait un peu plu, du coup on s'est dit... C'est revival quoi. Ouais, on s'est dit que ça serait une bonne idée de la jouer tous ensemble et de voir ce que ça donnait. Et voilà. Ouais, pour toutes les infos, donc c'est le groupe Facebook Madison vs Marbury. Et puis il y a également sur Twitter, c'est @timothée_ns2013. Et voilà, et sur SoundCloud, bah, et après il y a toutes les infos sur le groupe Facebook avec tous les liens et la chaîne YouTube aussi, Timothée Nouvelle Star aussi. Ouais. Voilà. Et sur la chaîne YouTube, on peut appuyer sur plus pour avoir le contenu des. Enfin, les commentaires, et dessus, il y a les liens Facebook, ouais. Twitter. Ouais. Dans les de toute façon, il suffit de trouver une de ces pages et il y a marqué toutes connectées. Les autres, après, ouais, voilà. Sauf Twitter. Ouais, c'est vrai. Déjà, merci beaucoup à vous, au Musicover, d'être venu jusqu'ici. Ouais, c'est cool de nous avoir appelé et tout. C'est... Très pro. Ouais. Et puis, bah, à bientôt, en concert et sur notre sur page la toile, Facebook. Et, World Wide Web. Et voilà. Hein. Merci, c'est merci. Dans un endroit ou dans un bar. Ouais. Ouais. Donc, ils se dévoileront entièrement pour vous à ces moments-là. Voilà. Merci. Merci, au revoir. Merci. Le mal est...